Good evening, everyone. So I'm Emmanuel Ulmo, the director of IHES. And so I would like to first welcome you, and it's a pleasure to host you tonight. So we are very pleased to organize this conference in association with the Fondation Mathématique Jacques Adamard. In fact, organizing a conference together at this time of the year to celebrate women in mathematics has become our beautiful tradition, and I hope we will do this for other editions. We are doing it today, just a few days away from May 12th, which has been chosen by the Committee for Women in Mathematics to celebrate women mathematicians. This date was chosen because May 12th is the anniversary day of Myriam Mirzakhani, who was the first woman to receive a Fields Medal in 2014 and who passed away in 2017, sadly. So celebrating women in mathematics is a way to show younger generations that being a woman in mathematics is not only possible, but can also be great fun. Today we are happy to host some great examples of mathematicians who are passionate about what they do and who are very successful in their endeavors. So the wish to celebrate women in mathematics is one of our actions undertaken to face a major common problem. Women are still much underrepresented in mathematics, and that is true as well as IHES. During the past years, IHES has been monitoring the statistic of its visitors and members. There is considerable scope for improvements. Only 10% of researchers at IHES are women, a very low percentage compared to the 20% that we currently see in permanent positions in France, both among CNRS researchers and university professors. The Institute has been working on improving these numbers and raising awareness on this issue, and there is still a long way to go to make mathematics and theoretical physics really inclusive, and not just in regards to women. We are not alone in this process. These values are shared by our colleagues at University Paris-Saclay, as well as the Fondation Mathématique Jacques Adamard, who have already taken part in similar events promoting women in mathematics together with the Institute. So I would like to thank Pascal Massard, director of FMJH, for his presence today and for helping us making this event possible. Other organizations have been supporting IHES in its goals to make the Institute a more diverse and inclusive place. IHES benefits from the support of several companies to fund the stay of women researchers. So I would like to thank Agilent Technologies and ENGIE. Several representatives from ENGIE are present with us today, I believe. So on behalf of IHES, I'm delighted to greet you and to thank you for your support and for sharing your values. I would like also to greet Lord Arcos, Senator of the Essonne Department. We are very honored to have you with us, among us, tonight. And now, before I leave the stage to Dmitri, I also want to thank our speakers, Nathalie Ayi and Tina Nikuka, for taking the time, along with their research, to advocate diversity in science. Thank you also to our Master of Ceremony, Veronica Fantini and Dmitri Weintraub, who are both postdocs at IHES, and they will be now coming. Dmitri, up to you. Thank you very much. Thank you, Emmanuel, and good evening. My name is Dmitri Weintraub, and I'm a postdoctoral researcher at IHES, specializing in algebraic geometry and representation theory. I am excited to be with you this evening to celebrate women in mathematics, and I'm very much looking forward to tonight's presentation.
Events like this are very important and inspiring to me, as well as to my colleagues and collaborators. All of us involved in this presentation have different origins and different native languages, and as a result, and this is one of the many kinds of diversity that make mathematics research better. As a result, this event will take place partly in English and partly in French. We'll start with the English section and switch to French later on. Without further ado, I'm delighted to open this conference by introducing Nathalie Haye, Associate Professor at Sorbonne University in the Jacques-Louis Lyon Laboratory. Nathalie Haye is also the author of the popular podcast Tête à Tête Chercheuse, which you'll learn more about later on. Her scientific interests are focused on partial differential equations, as well as stochastic partial differential equations, kinetic theory, and asymptotic preserving schemes, among other things. Nathalie Haye holds a master's and a PhD degree in mathematics from Université de Nice. Nathalie Haye is also one of 20 participants in the photo exhibition Mathématiques Informatiques avec elle that you may have already seen in the hall and that we invite you to discover after the conference. Okay, so thank you very much for the introduction, and thank you very much for this invitation to this nice event that I'm very pleased and honored to be part of. So, tonight I'm going to talk to you about some consideration about social dynamic models. So let me first start by introducing myself, and then we will switch to science. So first, I did a scientific baccalauréat in Orléans, where I'm from. Then I decided to go to classe préparatoire, where my specialty were mathematics and physics. And then I get into the École Normale Supérieure of Lyon, not by the competitive exam, but by applying, by sending a file. And once I was there, I got an opportunity to obtain a scholarship, so to do my first year in Lyon and my master in Nice. So this is how I arrived at Nice. I obtained the opportunity to do a PhD. And so when I did, I fell in love with research, and I decided that that's what I want to try to do. So I tried to obtain a position. So first I obtained a temporary position at INRIA Rennes. I stayed there 1 year, and then I did the competitive exam to obtain a permanent position, and I obtained one at Sorbonne Université, and I'm there since 2017. Okay, so let's move to science. Okay, so there is a little there. So, I'm going to talk to you about interacting particle systems. So, first, let me start in the context of gas dynamics, because actually this is my original background. When I started, the equation I was studying was in the context of statistical physics. So, for instance, in that room where there is a gas, and the atmosphere is made of a huge amount of particles. And so one way of modelizing it is to say that, well, the particle of the gas, it's sphere, and they have a position and a velocity. And basically, as you can see on this video, well, they move in the direction of their velocity until they collide. And when they do, they bounce. Okay, so this is one way of representing it. And the thing is, okay, so this is the video that I've shown you, this is words. So how do you do math on that? Well, you have to write an equation in that case, and the type of equation that you will be interested are what we call differential equation. So basically you need the notion of derivative of a time. So actually all of you are familiar with this notion. For instance, if you're interested into the position over time, the derivative of time, it's nothing else than the velocity. So basically, if you know your position, your velocity, in 1 hour, you know where you will be. Okay? So this is a notion that we will be using in the following. Okay, so when I started, I was in the context of gas dynamics. But actually, what might surprise you is what I've been showing you, the fact that you have particles who move, and once they interact, it changes their behavior.
It can also be, you can use the same approach to describe humans and humans' interaction. And this is what I'm going to describe precisely today. So, in the context that I'm going to talk about, N, it's no longer the particles of your gas, but now it's the number of agents, the number of persons. And the quantity you will be interested in, it's the opinion of a person. So what we write as xi, it's nothing else than the opinion of agent I. So you are interested into how the opinion of a person evolves over the time. And so one quantity which will be important is what we call the interaction coefficient. So what is it? Basically, what we denote aij, it's how the interaction, when j will interact with I, how it will impact the change of the opinion of I. Okay? So basically, now if you want to put that into an equation, well, here is the derivative I was talking about, which lets you know how your opinion will evolve over time. And now the equation that you are able to write here, well, it's saying that basically when agent 1 will interact with agent I, it will make the opinion of agent I evolve. So, and this is through this interaction coefficient, which is right here. So you are interested into binary interaction. And so basically you do the same for all the agents. So agent 1 will impact the evolution of agent I with this interaction, the same for agent 2, the same for agent N. And so basically the fact that I'm summing over all the agents, this is summarized by this sign here, which is just saying that, okay, I'm doing the same for all the agents. So basically this is the kind of equation we are interested in. And let me show you a particular case, which is what we call the Exelmann-Krauss dynamics. Well, it's the case where you are saying that your interaction coefficient has a particular form. It looks like that. And what does it mean? It means that basically you are saying that your interactions, they only depend on the distance between opinion. So for instance, you are just saying that, well, I decide that if two agents have two opinions which are too far away, they do not interact. Or, for instance, if they discuss, it will not impact their opinion, it will not make it change. Which makes sense. In real life, if you're discussing with a person which has opinions which are very too far away, you do not share any value, there is, it's less likely that they will manage to make you change your mind. So that's the spirit of this one. Okay, so here I will talk about system on graphs. So, okay, let me first say that I'm not a specialist of graph theory. I'm just talking about them because basically this is the structure which naturally appears when you are interested into this type of systems. So, okay, a quick introduction. A graph, this is a mathematical structure that you can use to model pairwise relations between objects. So, of course, it's natural with what I have just explained. So basically, you have two notions which are important when you're interested in a graph. You have the vertices, or the points, the nodes. So here, you have the blue circle. And the edges, which are the straight lines, which connect or do not connect some vertices. So for instance, here you have a connection between those two vertices, but you do not have one between those two, okay? So this is the natural structure which appears. So why am I talking about that? Because for instance, let me show you an example of a system I will be interested in. This is what we call the L nearest neighbor interaction. So basically we're saying that when we are considering agent I, well, it can only interact with the L agent to his right and the L agent to his left. Okay, so for instance, all of us in this room, at first, I put all of you in a straight line, and I'm telling you, okay, you can only interact with the two people to your right and the two people to your left, okay? And you cannot interact with anyone else. So the equation, if you write the equation, it looks like that, okay? So this is nothing else than the fact that you sum over all the agents that you can interact with, so the L to your left and the L to your right. And so
Here, there is something that is interesting, because actually this is significantly different about what I've been talking about before. In the previous case, at the beginning, actually, everyone was able to interact with everyone. The only things that mattered was to know the distance between two opinions. As soon as your opinion were close enough, you were able to interact. So everyone could interact with everyone. This is significantly different in that case, because actually, well, you can have two opinions which are the same. Still, if at the beginning you were not seated two seats close to the person, you will not be able to interact. So basically, we are saying that not everyone can interact with everyone. So, well, basically, there is a network, there is a graph underlying the interacting system, which describe the interaction which are possible or not. So this is how it naturally appears. Okay, so I will write the what I call the classical opinion dynamics models that I've been describing so far. And now I will show you a variant which actually corresponds to the one that I particularly study. So this is a variant of this model, which is the following. So we are still interested into the opinion of each agent, but now we are introducing a new variable, which is what we call MI, which is the agent's weight. So basically, this represents... No problem. MI, this represents the charisma or the popularity of a person, okay? So the bigger your weight is, the more charismatic, the more popular you are. So now you have two variables of interest. And so the equation that you will study now is the following. Well, we are saying that the interaction coefficient Aij, so the interaction of J on I, it is nothing else than its own weight. And it makes sense because basically we are saying that, well, the more charismatic, the more popular someone is, the bigger it has an impact into making the evolution, the opinion of the person change. Okay? And the second equation of our model is the following. So it's just to say that we decide that the charisma, the popularity of person, it's not fixed over time. So basically, it can evolve. So you can start being popular and then lose popularity and regain popularity, etc., etc. And it only depends on, well, the opinion and the weight of all the other agents. Okay, so this is the model that I've been particularly working on. And so, okay, let me say another word about the graph. So, what I didn't say here before is that actually there exists two types of graph. There is undirected graph and directed graph. In that picture, this is actually undirected graph, meaning that when you have a connection between two vertices, it's actually on both ways. It means, for instance, if it's vertices 1 and 2, that 1 act on 2 and 2 act on 1. This is symmetric. But sometimes you have directed graph where you have to take care to the direction. And for instance, it's not because one act on two that two act on one. So this is the difference between directed and undirected graph. First point. Second point is that actually what I also didn't say, is that here it's what we call unweighted graph. So basically you are just interested in knowing if you have an interaction or not. Okay? It's a binary, one or zero. But with weighted graph, you are not only interested in knowing if there is an interaction or not, but you are interested in the weight of this interaction, because basically you have interaction which matters more than other ones. Okay? And so in my case, I will be in the case of directed weighted graph, meaning that I rewrite my equation, which is right here, and now I represent the graph associated to my equation, which is, for instance, this one with three agents. Well, as I explained to you, the action of one on two, the weight which is associated is nothing else than the weight of one, which is M1, and the action of two on one, the weight which is associated, it's M2. So
So you can ask yourself two types of questions when you are interested in two. Well, there are more than two types of questions, but I have an interest in of two types of questions. So the first one are self-organization. So basically, you are wondering what happened in long-time behavior. Okay. So for instance, in the case of Excelman and Krauss dynamics, it has been studied, and we know that actually, naturally, what we obtain is what we call consensus. So basically, the agents, they are trying to reach the same opinion, naturally. And other case which is appears, it's what we call clusters, so the same, but actually you at the end you have a finite number of opinion. So the population divide into different groups, and at the end they have reached a common opinion, but a finite number of opinion. Actually, this is not the type of question I've been working on. The Yes, this is the case where everyone interacts with everyone. Absolutely. So actually, this is not the question I've been working on. The question I've been more interested on are what we call large population limits. So basically, we are wondering what happens when n goes to infinity. So what is the interest of this type of question? Well, it's the fact that, as you have seen, I have one equation by agent. So if I have a huge amount of agent, I have a huge amount of equation. So if you want to, for instance, solve it by computer, well, it will cost you a lot of energy, okay? The interest of this type of question is actually to trade this huge amount of equation to only one equation, not on the same quantity, but only one equation, which happens to be what we call partial differential equation. And as it was said in my introduction, this is my specialty, this is my field. Okay, so this is the type of question that I've been dealing with for the special class that I've shown you, the special model, social model that I've shown you. Okay, and to finish, I will talk to you about two examples of social dynamics. So the first one is the case where you decide to divide your population into K groups, and into each group, you have two types of people. You have leaders or you have followers, okay? And you cannot switch levels. You are either one or the other one. And for instance, we can decide, so this is a model that we built to do some simulation. You can decide that, well, the weight of a leader will increase proportionally to its own weight and to the total weight of the followers of this group. And the weight of a follower will decrease proportionally to its own weight and to the total weight of the leaders of his group, for instance, okay? And, okay, so this is what I just wrote here. Well, this is what this formula means, nothing else, okay? This is the dynamic that describes exactly what I've written here. And if you do some simulation, well, here, this is my position, which evolves over time. And here, this is my weights, which evolve over time. And you can see if you start, for instance, with one group of 20 agents and 10% of leaders, so you have two leaders and the rest are followers, you can see that, well, you reach consensus in that case. And what is interesting is that the consensus that you reach is actually a position which is not so far away from the initial position of the leaders of the population. So basically, the population is trying to reach an opinion which is not so far away from the one of their leaders, okay? And at the end, the total weight, the total popularity is divided, split between the two leaders. And in the model we have built, well, the follower at the end, they have zero popularity, okay? Okay. With the second example, now this time we have two different groups. So we have 10 agents in one group, 10 agents in another one, and we have one leader by group, okay? And here you can see that in that example, there is one leader who take more weight than the other one. It's actually because this is a leader which is popular among people who has a big weight. So basically, this is a leader who is popular among popular person. And so this is why he's taking more of the weights. And this is why
the consensus is reached at a position which is close from the leader or the first group, and we actually do not care of the leader of the second group, so because this is a leader in people who are not so much charismatic. Okay, so this is what we observe. So basically, it corresponds to the intuition that we could have for this model. And let me finish with the following model, which is the second example that we called the least influence gain influence. Okay, so we're interested into this quantity, the influence of J on I, that I did not like that. And we're interested then into EI, which is the sum of all the influence on I. Okay, so I'm interested into all the influence that I will get. And now we have that for each agent. Each agent, he has a total influence on him. So we can do a mean, an average with this quantity, okay? And we want to compare those two things, because in our model, we're saying that, for instance, how your charisma popularity will evolve. Well, basically, if you are less influenced than the regular one in the population, well, it makes you gain popularity. Basically, I'm saying that if you are reluctant to conspiracy theory, if you are harder to convince, et cetera, it will make you more popular. On the contrary, if you are more influenced than the regular person on the population, it will make you lose popularity. So basically, if you're very easy to convince, it will not make you a popular person. Okay? So this is what the model describes. And this is a simulation. In that case, well, actually, you observe clusters. So at the end, there are three different opinions in the population. And this is an example of how the weights of the different agents can evolve. And I think I will stop there. Thank you for your attention. Thank you, Natalie, for your wonderful talk. Now there's actually a bit of time for some questions. So please raise your hand so I can reach you with the microphone. Thank you. So if I understood correctly, opinion is measured on a one-dimensional scale. So that applies for, say, politics. Are you of the left or are you of the exactly, right? Exactly, for instance. How about, could we generalize this to two-dimensional or n-dimensional? For example, you like jazz, you like classical music, you like rock and roll, and you know, it's not just left and right. It's not. Yeah. It's on a plane, at least one in a space. Actually, our in our paper, our results are in RD. I just shown you pictures in one dimension, but it works in higher dimensions. Right. All right. Any more questions? How did you measure the stability of each opinion? What do you mean? Well, there is a variation of the opinion according to time, according to the surrounding. Yes. And so do you have a kind of... have you have a kind of... parameter which characterizes this evolution both in time and both in space, I would say. So if you you didn't localize the people in space. Okay. You didn't that. You yeah. did not that. To change the to change. I mean in each people has a localization. Yes. A localization in the three space. Yes. For instance. Okay. Yeah. And so, do you take into account of this localization?
Yeah, we're really tracking the position in the space. Yeah. This is so yes. So I didn't see that. Okay. Well. So I'm interested when you have this convergence. We see like two convergence of opinions, and what is the stability of this? Is there a way you can get out of that? So maybe this will answer your question. I don't know. Let's first say I didn't work on the emergence of patterns. So maybe I'm not sure about everything I'm going to say. But the thing is, for instance, what I can well explain is how in one case you have consensus and how sometimes you have cluster, for instance. Well, the cluster, they appear when, so we are in the context of Excelman-Krauss dynamics, they appear when basically your interaction function is compactly supported. As soon as it's compactly supported, you will, basically you are people from the population which will never see each other, and so this is why you have different opinion. But as far as I understood, if you're not compactly supported, the more so you have some decreasing or non-increasing assumption to have. But as soon as you're not compactly supported, the natural behavior is consensus. You observe the same pattern, for instance, if with the second order models, with the birds actually, where you are not tracking the opinion, but now you are tracking the position and the velocity. The natural behavior pattern that you will observe is that they align their velocity. This is the equivalent of consensus. So this is the same type of model. So this is very stable, I guess, if it answers your question. This is what you naturally observe as soon as you have the right assumption on the interaction functions. I'm not sure I answer correctly the question. Okay, one last question. But have you oscillation like in a chemical oscillation? To the convergence? Permanent oscillation. Permanent oscillation. Like in chemical. I don't know. I don't know if you converge through oscillation, but all I know is that you have a limit. Okay, but I cannot characterize the way you converge to it. So, do you have a concrete example in life where you tested your model on some particular thing? Yeah, no, that's a good question. Actually, that I've been asked a lot. this is one of the things that I would like to do. I would like to. I have an interest in social medias, and so I would like to develop media to, for instance, typically our model where you are taking into account charisma. This is something that you can parameterize on social media. It means it only you can take into account the number of followers, the reaction to your post, how much people interact with them. This is concrete measure that you can use to feed your charisma parameters. So this is something that I would like to do, but so far I haven't started. All right, thank you for the questions. And Veronica. Thank you, Dimitri. Merci beaucoup à Nathalie pour son exposé et pour avoir partagé avec nous aussi son expérience. Moi, je suis Veronica Fantini, je suis mathématicienne et postdoctorante ici à l'IHOS et je travaille sur la géométrie, sur des problèmes liés à la physique mathématique. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui car je trouve que c'est une très belle occasion pour parler des maths, mais aussi pour partager notre expérience de chercheuse avec un grand public. Et cette deuxième partie de l'événement est conçu dans le format du podcast Tête à tête chercheuse, dans lequel Nathalie échange avec des chercheuses et des chercheurs pour faire connaître le monde de la recherche aux plus jeunes et aussi présenter les possibilités qui s'ouvrent à eux après le lycée. Et comme vous avez entendu, cette partie de l'événement aura lieu en français, car il va constituer un épisode spécial du podcast de Nathalie. Et pour cette raison, on va aussi enregistrer la partie concernant les questions.
Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître dans les podcasts, lorsque vous posez une question, il faudra nous les préciser. Et maintenant, j'ai le plaisir d'introduire Tina Nikoka. Et elle est postdoctorant au Centre Borelli, le laboratoire des mathématiques de l'ONS Paris-Saclay. Tina est lauréate du prix Jean Talon pour les femmes et la science 2022 de la Fondation L'Oréal UNESCO en partenariat avec l'Académie des sciences. Tina travaille sur les traitements d'images et plus particulièrement sur le développement d'algorithmes capables d'en détecter la falsification. Elle collabore notamment avec la police et les journalistes qu'elle sensibilise et forme aux enjeux de la vérification de l'information. En plus, elle transmet activement ses savoirs aux plus jeunes, des primaires aux lycéens et lycéens. Tina, Nathalie, je vous laisse la parole. Merci. Donc, merci beaucoup, Véronica, pour l'introduction. Donc, effectivement, j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Tina Nikoka. Donc, Tina, je t'ai découverte lors de l'exposé que tu as donné aux Assises des mathématiques, que j'ai adoré et que je vous invite à aller regarder. Il est disponible en replay. Et donc, j'ai tout de suite pensé à toi quand on m'a fait l'honneur de me proposer de participer à cet événement. Et donc, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Donc, effectivement, notre échange sera construit sur le même format que celui du podcast. Donc, on va commencer par parler de ton parcours. Ensuite, on s'intéressera à ta vie de chercheuse et on finira avec ta carte blanche. Donc, démarrons avec la première partie. Est-ce que tu peux brièvement nous présenter ton parcours général du lycée au doctorat? Et on reviendra sur quelques points spécifiques après. Okay. Donc déjà, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation au podcast. Donc, au lycée, alors, je sais que c'est cette partie-là qui peut être intéressante. J'étais pas très bonne élève, mais j'étais bonne élève dans les matières que apparemment je choisissais. C'est ce qu'il y avait écrit sur mon bulletin de notes. Et les matières que je choisissais, c'était mathématiques. Bon, anglais, sport, ça c'est les autres matières, mais c'était surtout les maths qui rattrapaient tout. Donc en fait, la question elle était totalement naturelle. J'ai fait une prépa maths physique parce que en fait, c'était génial. Pour moi, c'était la suite du lycée avec que les matières que j'aimais bien. Donc plus histoire, français, philo, etc. Et j'aurais pas pu faire la fac. Je sais que ça c'est une question importante parce que les gens se demandent est-ce que je fais fac ou je fais prépa. Moi, j'adore la prépa. Enfin, si j'aurais pu faire 10 ans de prépa, j'aurais fait 10 ans de prépa. Et je trouve ça plus facile que la fac. Moi, à la fac, j'aurais vraiment été dispersée. Enfin, moi, je me disperse très facilement et je pense qu'à la fac, j'aurais pas assisté au cours. Enfin, j'aurais pas réussi, quoi. Là, on est vraiment bien encadré. Enfin, j'ai adoré. J'ai tellement adoré que j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire j'ai pas décidé d'une école où je voulais aller, donc j'ai pas visé quoi que ce soit. J'ai fait 5 demi, donc j'ai fait 3 ans, mais parce que j'aurais continué si je pouvais encore. Et on m'a dit, il faut quand même choisir des écoles, il faut regarder. Et bon, c'est vrai que si j'avais été admissible à l'ENS, je serais allée, mais j'avais effectivement regardé que ENS et Polytechnique, parce que je m'étais dit, de toute façon, je ferais 3 ans. Là, on m'a dit, mais clairement, là aussi, tu choisis tes matières. En fait, j'étais bien meilleure en maths informatique que en physique. Et donc, ensuite, je suis allée en école d'info, je ne connaissais pas du tout. Hein. Moi, je ne voulais pas quitter la région parisienne, ça me paraissait hyper loin. Mais l'ENSIMAG, qui est une école donc, d'ingénieurs en informatique et mathématiques appliquées, pareil, j'ai adoré là aussi. C'est vraiment que les sous-matières encore que j'aimais bien que j'ai fait à l'école. Et là, on fait beaucoup d'informatique, on fait beaucoup de mathématiques. Et j'ai fait aussi un master de recherche en mathématiques appliquées, en plus de l'ENSIMAG. Donc c'est vraiment les deux aspects qui m'ont plu le plus. Et voilà. Tout des non-choix, mais c'était parfait. Ok, et après ton école ? Alors, après mon école, je suis revenue en Ile-de-France, parce que Grenoble, c'est sympa, mais 3 ans, voilà. Donc j'ai fait un stage en imagerie médicale, parce que ma mère est médecin, mon père est chercheur, il fait de l'automatique, de la mécanique, et c'était le bon mélange des deux. Et je devais poursuivre en thèse là, mais en fait, je raconterai, mais la vie a fait que j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont parlé de traitement d'image. Donc, ce que je fais vraiment aujourd'hui, là, c'est de la détection de falsification, mais c'est vraiment du traitement d'image numérique, donc la photographie, etc. Et ça, c'était mon sujet de TIPE en prépa. Donc, vraiment, mon premier amour de traitement d'image. Donc là, j'ai pas pu refuser. Et donc, j'ai fait une thèse ici à l'ENS Cachan. J'ai commencé à l'ENS Cachan et j'ai fini à l'ENS Paris-Saclay, où okay. Je suis encore aujourd'hui. Ok.
Super. Et du coup, est-ce qu'à l'époque où tu étais au lycée, tu connaissais déjà les métiers de la recherche? Alors oui, bah, du coup, mon père est chercheur, donc il était chercheur, directeur de recherche à l'INRIA Rocancourt. Ouais, mais est-ce que tu savais concrètement ce que ça voulait dire? Eh bah oui, parce que j'y allais avec lui des fois le mercredi. Alors moi, j'étais mauvaise élève depuis toujours. Enfin, je veux dire, mauvaise, pas mauvaise du coup, mais j'étais pas très sérieuse. J'ai jamais été... J'ai pas fait attention aux notes, la compétition, tout ça. Tu n'es pas scolaire. Je suis pas scolaire, exactement. Et tellement pas que même en primaire, quand par exemple on était en retard ou il y avait trop de bouchons, mon père il disait bon c'est pas grave, on va au boulot. Donc on allait pas, alors c'était enregistré, mais ça nous a très très rarement, parce que moi je déteste arriver en retard par contre, c'était le trop stressant. Mais si on était amené à peut-être arriver en retard, il me disait bah viens on part à l'INRIA. Donc vraiment ça m'arrivait peut-être une fois par mois dans l'année d'aller faire la chercheur, enfin c'était mon métier du coup presque. Et donc je connaissais ça. Ma mère est médecin, mais elle travaillait beaucoup en recherche aussi médicale. Donc, je ne connaissais pas d'autres métiers que la recherche. Donc c'est peut-être ce genre de... Voilà. OK. Et tu te projetais dedans, toi, à l'époque ou... Bah, je me projetais dans... J'avais jamais autant réfléchi. Enfin, je ne réfléchissais pas. Je faisais ce qui me plaisait sur le moment. Ouais. Enfin, encore aujourd'hui, je fais ça. Je sais que ce n'est pas bien. mais du coup, je ne me projetais pas. Mais par contre, ce que j'ai réalisé, donc j'ai réalisé en préparant aujourd'hui aussi, c'est que dans les stages que j'ai fait en école d'ingénieur, donc j'ai fait un stage en start-up, stage dans une grande entreprise où j'ai fait de la recherche, j'ai du coup, comme je savais que c'était le monde de la recherche, en tout cas je voyais mes parents, j'étais pas conquise avec ça. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Alors en start-up, j'ai du mal avec tout ce qui est marketing un peu pas vrai. Enfin, moi j'ai besoin de comprendre tout et je comprends pas que les gens ils veuillent pas comprendre. Et ils cherchent pas à comprendre, enfin, ils cherchent à vendre souvent, et voilà, enfin, j'avais du mal avec ça. Et dans la grande entreprise, j'ai trouvé ça très bien, on a beaucoup de moyens, on fait de la vraie recherche, hein, je suis dans un vrai département de recherche, mais tout est cloisonné. Donc si tu travailles sur cette équation, tu travailles que sur cette équation. Ouais. Et moi, je sais pas bien faire une seule chose, mais je sais faire plein de choses. Et j'ai trouvé que là, en tout cas dans l'équipe dans laquelle je suis, donc dans l'équipe de traitement d'image du centre Borély de l'ENS, je peux faire plein de choses et enfin, hyper variées, donc et c'est ce que je voyais à travers mon père par exemple, et donc voilà, donc je savais qu'il y avait autre chose qui était mieux, donc c'est pour ça que... Ok, et donc si tu te projetais pas dedans, alors à quel moment tu situes le moment où tu as su que c'est sûr, c'est ça que tu veux faire? Bah donc j'ai fait start-up, j'ai fait entreprise, j'ai fait une année en fait avant de commencer ma thèse, j'ai fait une année d'ingénieur de recherche, on peut dire. Et c'est là où, donc moi aussi, mon domaine, du coup, s'applique aux réseaux sociaux. Enfin, c'est même moi qui l'ai appliqué aux réseaux sociaux, parce qu'à la base, c'était traitement d'image, l'aspect mathématique, etc. Et quand j'ai vu que je pouvais rassembler ce que j'aime avec ce que je fais, en sachant que, bon, vous avez compris, j'ai toujours fait ce que j'aimais bien, parce que je ne sais pas faire autre chose, mais là, c'était vraiment... En plus, ça rajoutait de la légitimité dans, dans ce que j'apportais à l'équipe, quoi. Et c'est là où j'ai réalisé que, ah oui, en fait, je peux ne jamais déconnecter, parce que ma vie de tous les jours, je peux appliquer les maths que je fais à ma vie de tous les jours, finalement. Donc, c'était un tout, quoi. Je me suis dit, ah, c'est ça, c'est ce monde de la recherche publique, où je fais des choses où... je suis pas obligée de mentir pour le vendre ou c'est utile gratuitement, tout ça, ça m'a plu. Ok, t'as trouvé l'endroit qui te correspond, quoi. Ouais. Ok. Et donc, t'as soutenu une thèse intitulée « La vie secrète des images JPEG, détection de falsification via les traces de compression ». Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi consistait ta thèse ? Oui. Alors, c'est beaucoup plus facile que ce que vous pouvez penser. Hein. C'est vraiment, pour le coup, j'aime beaucoup mon... Bon, alors bien sûr, pendant les 3-4... Bon, moi, j'ai fait 4 ans, du coup, pendant les 4 années de thèse, on fait énormément de choses. Mais là, dans ma thèse, j'ai mis vraiment quelque chose qui est assez cohérent. Donc, j'ai vraiment parlé donc, du traitement d'images. Donc, moi, je travaille donc, avec les images numériques, comme celles qu'ils nous utilisent pour filmer, pour prendre des photos, etc. Et ces images-là, donc j'ai passé du temps à apprendre, et tous les jours, on apprend, comment ces images-là sont formées. Donc, je parle bien sûr des photos numériques. Hein. Quand la lumière rentre dans l'objectif et arrive sur le capteur de votre appareil, que ce soit donc téléphone portable ou caméra, on récupère donc de la lumière qui arrive sur le capteur, on récupère des photosites. Ces photosites-là, visuellement, c'est
pas regardable. Personne ne regarde tout de suite ce qui a été enregistré à ce niveau-là. Il y a une suite d'opérations qui se fait, une suite d'opérations mathématiques. Hein, j'aime bien dire ça quand je vais dans des collèges et des lycées. Et donc, dans ces opérations, il y a par exemple un démosaïquage. Par exemple, c'est une interpolation très compliquée, mais en soi, une interpolation, ça marche. On peut calculer des moyennes. Enfin, c'est vraiment accessible à tous. Après, on a un balance des blancs. On a des fonctions qui sont appliquées à notre image, hein, image couleur, donc trois matrices, des fonctions, des choses vraiment très simples, jusqu'à avoir donc une image jolie. Et ensuite, elle est sauvegardée, souvent en format JPEG. Et le format JPEG, j'ai trouvé une manière... Alors, c'est pas ma thèse. Enfin, j'ai pas présenté ça à ma soutenance de thèse. Mais dès que je peux parler de ma thèse, je le fais comme ça. Je l'explique en disant que une image, ça prend beaucoup de place donc sur l'ordinateur, en mémoire. Je te prends ta feuille. Hein. Donc, imaginez tous, hein, vous pouvez tous sortir une feuille. Vous avez une grande feuille de taille A4. Ça prend beaucoup de place. Donc, c'est une analogie. Ça prend beaucoup de place dans l'espace, mais ça prend beaucoup de place dans l'ordinateur. Donc, ce qu'on fait, enfin, ce qui est fait, hein, automatiquement, c'est que cette image-là, elle est compressée, par exemple, au format JPEG, et l'analogie fonctionne. Si je vous dis, prenez cette feuille, elle prend trop de place, vous allez me répondre, il suffit de la plier. Donc, je vais la plier, je vais obtenir quelque chose qui est donc plié, mais je ne vois plus l'intérieur. Donc, ça, c'est quelque chose que même mes collègues, hein, souvent, ils pensent pas. On dit toujours une image JPEG, mais en fait, l'image, c'est un fichier JPEG, et l'image, il faut ouvrir le fichier pour regarder l'image. Elle est passée par une étape de compression. Donc en fait, toutes les opérations dont j'ai parlé avant et celle-là, c'est vraiment des opérations comme des opérations de vie. On peut dire une image vit en fait. Et moi, je me suis intéressée à détecter la vie d'une image. Donc on a une image et je veux savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Et là, pour le JPEG, donc l'analogie marche bien et j'ai même pas besoin d'expliquer, vous allez tous être capables de comprendre tous mes algorithmes. C'est que si je vois une image, donc vraiment comme un médecin légiste qui analyse un cadavre, je vais donc l'ouvrir parce qu'elle va être compressée. Donc je vais ouvrir l'image et là je vais la regarder. Et la différence que je vais observer par rapport à avant, alors sur une feuille ça se voit, sur l'image ça se voit pas forcément, mais moi avec des procédés mathématiques je le vois. Je vais observer des traces de pliure donc, que j'ai là et que je n'avais pas avant. Donc avoir des traces de pliure déjà, donc je peux le détecter. Donc avoir des traces de compression JPEG, je peux le détecter et donc savoir si l'image a été compressée. Je peux même dire avec quels paramètres, parce qu'il y a des paramètres plus ou moins compliqués, etc. Ensuite, si quelqu'un effectue une falsification, donc par exemple rajoute un objet extérieur, c'est comme si on découpait un morceau et on collait sur cette photo-là notre objet extérieur. On va voir que dans cette partie, il n'y a pas de traces de pliure, pas de traces de compression. Dans le reste, oui. Enfin, vous pouvez tous vous amuser à imaginer tous les scénarios possibles, mais tout fonctionne avec cette analogie. Et ensuite, si je veux repartager cette image, par exemple, sur les réseaux sociaux ou l'envoyer à quelqu'un, je vais encore l'enregistrer sous format JPEG, donc je vais la replier et je vais l'envoyer à quelqu'un. Et là, dans la zone, par exemple, falsifiée, j'aurai des pliures qui ne coïncident pas ou moins de pliures que dans le reste, etc. Alors moi j'ai trouvé l'analogie. Bien sûr, il y a d'autres méthodes qui fonctionnent comme ça à détecter. Donc on sait ça, c'est la détection d'anomalies en fait dans les images. Et la particularité de mon équipe et de ma thèse, c'est d'avoir utilisé des maths, vraiment d'une validation statistique pour être sûr que si, par exemple, il n'y a pas de trace, oui ou non, de manière fiable. Par exemple, il y a des méthodes qui marchent très bien de l'état de l'art où pour savoir si une image a été pliée, il la replie et il voit si ça ressemble à avant ou pas. Mais c'est purement... il faut interpréter. Il y a besoin d'un humain pour interpréter tout ça, alors que nous, nos algos, du coup, non. Et c'est pour ça que mes algos ont été inclus dans un outil qui s'appelle InVID We Verify. C'est un outil gratuit mis en place par l'AFP pour tous les fact-checkers, enfin pour tout le monde, hein, mais c'est les fact-checkers, donc les journalistes qui vérifient les faits, qui l'utilisent. Donc en plus des autres outils qui, bien sûr, ont ce problème de fiabilité, mais comme ça, ils sont sûrs du résultat. C'est pareil pour la police scientifique avec qui je collabore, qui peut passer des heures à regarder une image, mais qui a besoin de savoir si c'est fiable ou pas. Ah oui. Parce qu'on peut pas dire... On peut imaginer pourquoi. Voilà, vous pouvez imaginer pourquoi. Et effectivement, donc, ça s'utilise pour... Mon algo, en particulier, s'utilise par tout le monde, parce qu'il est disponible en ligne par les journalistes, etc., par la police, et dans plus de 40 pays. Donc,
Ok. Et donc tu peux savoir avec certitude si ça a été falsifié ou pas. Est-ce que tu peux savoir la nature de la falsification? Par exemple, concrètement, tu as une photo et tu peux dire cet objet-là, c'est sûr, il a été rajouté. Ça, tu es capable de le faire? Alors, je ne peux pas savoir à 100% que quelque chose a été falsifié. Parce que, alors, je fais toujours l'analogie comme ça. Là, c'est par exemple que les traces de compression que je vais analyser et l'anomalie là-dedans. Mais il peut y avoir d'autres anomalies. Par exemple, vous pouvez être, bon, désolé pour l'analogie, mais vous pouvez être malade et vous allez chez le médecin, il va vous faire une radio. La radio, elle peut être nickel, mais il y a un problème, il fallait faire une IRM, quoi. Bah là, c'est pareil. Et en plus, là, quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais dans les traces de pliure et dans les incohérences de traces de pliure, il y a toujours des limitations. Mais je les connais. Donc, je sais qu'il y a une chance sur 64 que, par exemple, les deux traces de pliure, elles coïncident ou des choses comme ça. Et je ne peux pas dire que, par exemple, cette partie vient d'une autre image, et laquelle, parce que j'en sais rien, mais je peux dire qu'est-ce qu'elle a perturbé. Donc, oui, je peux l'interpréter beaucoup plus que des méthodes juste qui disent « Ah, bah ici, c'est bizarre. » Parce qu'il y a des méthodes comme ça. Une grande boîte noire qui dit « Ici, c'est bizarre. » Ok. Merci beaucoup. On va passer maintenant à ta partie sur ta vie actuelle de chercheuse. Donc, j'aime bien poser cette question. Pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier, peux-tu expliquer à quoi ressemblent tes journées? Alors. Non, mais on m'a déjà posé cette question et à chaque fois, apparemment, on l'a déjà dit, je n'ai pas un profil très classique. Donc, je vais raconter quand même. Enfin, voilà. Moi, j'ai quatre aspects dans ma vie dans une semaine, on va dire. Je fais donc de la recherche, bien sûr. Je fais de l'enseignement et de la diffusion. Je fais de l'encadrement de stagiaires et de doctorants. Et je fais pas mal d'encadrement de projets, enfin de gestion de projets, de coordination de projets, etc. Et en général, c'est ça, en fait, de faire des maths et de l'info. Moi, j'ai mon ordi, je l'ai toujours avec moi. Et je peux travailler d'où je veux. Donc ça, c'est aussi ce qui est sympa. Donc moi, en particulier, je me rends sur place 2 jours par semaine maximum pour échanger avec les autres. Et sinon, le reste du temps, on est très Zoom. Même avant le Covid, on était très visioconférence parce qu'on travaille avec des gens partout dans le monde. Même des collègues qui passent 2-3 mois dans l'année dans d'autres laboratoires, etc. Et même mon enseignement, ce que je donne... Alors, donc, je donne des cours. Pendant ma thèse, je donnais des cours à des enfants. À la MIS, c'est la Maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences. Donc, c'est des ateliers scientifiques qu'on fait avec des enfants du CE2 à la 3e. Ils viennent en sortie scolaire et on fait un sujet scientifique, comme Jamie, non, c'est pas sorti. et donc, je faisais ça. Donc, ça, évidemment, c'était sur place, c'était de 8h. Enfin, ils commencent tôt, les enfants. Et là, aujourd'hui, je donne des cours à des journalistes. Ça, par contre, c'est pure visioconférence. C'est une formation complémentaire pour un diplôme universitaire. Et donc là, ça change. Mais j'aime toujours donner cet aspect de cours. Et donc, mes journées, elles ne se ressemblent pas parce que j'ai toujours ces quatre choses-là. Mais j'essaye d'avoir quand même un rythme de une après-midi où je le garde pour moi et ma recherche parce que sinon, je ne vais pas y arriver. J'ai à peu près des réunions tout le temps, sinon, en visio ou en présentiel. Et le jeudi, j'essaye de... Bon, ça finit toujours en réunion quand même, mais j'essaye d'aller sur place parce que c'est ça que j'avais beaucoup aimé quand je voyais mon père travailler. C'est les échanges avec les autres. Donc c'est important d'aller sur place et voilà. Même si j'échange beaucoup, pas sur place. Moi je peux échanger. Ok, donc tu viens de nous dresser un beau panorama de toutes les choses que tu fais. Et donc naturellement, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est la partie de la recherche que tu aimes le plus, dans laquelle tu prends le plus de plaisir? C'est celle-là, oui, c'est la partie travail en équipe. Échanger avec les autres... mais pas parce qu'on a réunion de telle heure à telle heure. Même là, par exemple, on pourrait échanger toi et moi et on parlerait de quelque chose qui va après me faire penser à quelque chose et j'ai envie de le développer derrière, quoi. Donc ça, c'est la partie que j'aime le plus. Aussi, la diffusion. Quand je donne des cours ou des conférences à des plus jeunes, j'apprécie beaucoup faire ça. Et c'est sûr, ça prend du temps, etc. Mais après, ça me donne une énergie incroyable. Non, mais je sais pas pourquoi. Après, alors peut-être pas. Alors si juste après, oui. Après, je me repose. Il y a un petit coup de barre à un moment quand même en général. Mais je sais pas. Ça me redonne de la force pour continuer à faire ce que je fais. Donc ça, j'aime beaucoup. Mais sinon, ouais, c'est vraiment le travail en équipe, les projets, faire des liens entre les choses et tout. J'aime beaucoup ça. Ouais. Ok. Et à contrario, est-ce qu'il y a des choses que t'aimes moins? J'aime pas du tout le côté écriture d'articles pour conférences.
parce qu'il faut publier. Enfin, écrire, bien sûr, parce qu'il faut partager ce qu'on a découvert, et même ça nous force à comprendre ce qu'on a fait, les journaux, etc., très bien. Mais c'est le côté compétition, deadline, deadline, ça ne me dérange pas. Oui, c'est vraiment des compétitions. C'est, je le vois, je sais, il y a des gens, leur méthode, elle n'est pas finie, ils le savent eux-mêmes. Mais je veux partir à Singapour en novembre, donc il faut que je soumette à tel truc. Et ça, moi, enfin, tout ce qui est aspect compétition comme ça, j'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ok. Et alors, donc, tu l'as un peu mentionné, mais je t'avoue que moi, quand je suis allée voir ton profil, je trouve ça assez fascinant, le fait que tu collabores avec la police et des journalistes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces collaborations, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, etc. Ouais. Alors, la police, malheureusement, c'est pas n'importe quelle police qui fait la route et des choses comme ça. Enfin, c'est la police technique et scientifique, donc comme les experts... mais de France, et c'est la partie numérique. Donc, ce n'est pas la partie où ils viennent récupérer l'ADN sur les scènes de crime. Et avec eux, donc, on avait travaillé déjà il y a longtemps dans le cadre d'un projet qui s'appelle DFALS, détection de falsification, où en fait, on avait réuni, enfin, l'ANR avait réuni toute la France qui travaille sur ces sujets-là. Et eux, c'était ils étaient dans notre consortium, on était deux, eux et nous. Et eux, ils nous donnent des cas d'usage, en fait. Ils ne mettent pas en avant nos algos parce que ils n'ont pas de site internet public, bien sûr. Ils nous donnent des cas d'usage à l'oral seulement, parce que pareil, on n'a pas le droit de regarder les images policières. Donc ils vous décrivent Ils décrivent des choses, ils nous disent, et c'est pas clair, mais ce qui rend la chose encore plus intéressante, c'est on a des images fausses, on a tant d'images par exemple, et on veut faire un tri ou des choses comme ça. Donc on réalise que y a tout ça, mais c'est assez vague. Ils ne donnent pas d'image, donc c'est vraiment des cas de... Voilà. On se rend compte qu'ils passent du temps, c'est vraiment des gens qui passent limite plus de temps que nous sur des images. Donc c'est intéressant de leur dire tout ce qu'on est capable de faire avec les images. Par exemple, en ce moment, on travaille avec eux sur deux projets. Un de détection de falsification vidéo, donc les deepfakes. Et un autre pour... alors c'est pas de détection de falsification, mais c'est un peu la suite aussi de ma thèse, c'est l'amélioration des vidéos qu'ils reçoivent. Parce qu'ils reçoivent énormément de médias, de vidéos, par exemple, de gens dans la rue qui ont filmé quelque chose, mais de loin. Et ils utilisent des outils pour zoomer sur une zone et faire en sorte que ça soit mieux résolu. Donc, ils font de la super résolution, du débruitage, etc. Et dans notre laboratoire, on a pas mal d'algo état de l'art là-dessus. Donc, on essaye on leur dit l'état de l'art, ils regardent ce qui existe, etc. Donc, tout ça dans les cadres de projets européens, ANR, là, du coup. Et avec les journalistes, c'est des projets européens. Bon, ça ne change pas. Là, on travaille avec donc, tous les laboratoires d'Europe qui travaillent sur l'aide à la vérification de faits. Donc, ce n'est pas que images et vidéos. Ça peut aussi être des tweets, des messages, etc. Et ça, c'est grâce à une rencontre avec Denis Tessou, qui est le chef du Media Lab de l'AFP, qui donc c'est lui qui a mis en place cet outil, ce plugin où mes algos ont été inclus. Et donc non seulement lui il donne de la visibilité, de l'utilité en tout cas à mon travail, à notre travail dans l'équipe, mais en plus lui il nous donne vraiment des cas d'images. Après, nous aussi, on peut les trouver. Okay. Enfin, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Mais lui, il est lié à 50, 100 fact-checkers qui lui envoient des images tous les jours. Donc, on a vraiment des vrais cas à étudier. Sur lesquels vous testez, du coup. Ouais. Mais du coup, ça me fait penser, j'ai une question. Quand tu expliquais, donc tu es capable de détecter si une image est falsifiée. Tu nous as bien expliqué avec l'image de la pliure. Mais si une image a été complètement générée par de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu es quand même capable... Parce que là, il n'y a pas de traces de pliure à avoir, si ? Exactement. Elles ne sont pas fausses. Est-ce que tu es capable de détecter ça ? Eh ben, c'est une très bonne question d'actualité. Légèrement. Voilà. Là, cet algorithme-là qui cherche des anomalies locales dans l'image, non, parce que toute l'image est fausse cette fois-ci. Eh oui. Mais ce qui est intéressant... Alors, je n'ai pas d'algorithme à vous sortir là tout de suite. Mais ce qui est intéressant à analyser, c'est en fait... comme je vous ai dit, cette image, elle a une vie. Une image numérique normale a un cycle de vie. Et ces images-là, elles n'en ont pas. Donc, elles n'ont pas subi toutes ces opérations dont je vous ai parlé avant, qui, chacune de ces opérations, laisse des traces qu'on pourrait détecter. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. On regarde des images donc, qui sortent de tous ces nouveaux outils et on observe qu'il y a beaucoup de choses non naturelles qu'on pourrait détecter, mais on n'a pas encore de méthode qui soit capable de dire c'est non naturel, c'est évident, oui ou non. Parce que sortir une méthode qui génère du faux...
même si les doigts sont pas parfaits ou quoi, c'est pas grave, on peut sortir la méthode. Mais sinon, on sort une méthode et qu'en fait, ça génère, enfin, ça détecte une fois, bah, une chance sur deux. Enfin, c'est aléatoire. Enfin, ça sert à rien, quoi. Donc ça, c'est un peu, ouais, c'est plus difficile, mais effectivement, on travaille là-dessus. Ouais. Ok. Bah, on compte sur vous, hein, parce qu'on a besoin un petit peu. Après, il faut pas oublier que toute image, c'est pour le voir comme un dessin, je veux dire. Ok. Merci beaucoup. Bah, du coup, on va conclure l'échange avec ta carte blanche. Donc, de quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui? Eh ben, moi, je voulais parler de quelque chose qui me tient à cœur, que en fait, j'ai déjà eu l'occasion de présenter donc à plein de publics différents ce que je faisais, et moi, j'ai jamais pu poser une question. Enfin, c'est en général les gens qui m'invitent et qui me posent des questions, et on me demande souvent, par exemple, pourquoi t'as fait des maths? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des maths? T'as pas trouvé ça bizarre de faire des maths en tant que femme ou même voilà? Et bah moi, à un moment, je me suis posé la question, mais pourquoi les gens me posent cette question? Si je faisais, par exemple, je sais pas, histoire, peut-être on me poserait pas la question, non? Je sais pas, en fait. Hein, C'est une bonne question. En sachant que si on me connaît, clairement, faudrait me poser la question. Parce qu'une fois, on m'a qualifiée de historienne des images, parce que du coup, je détecte l'historique d'une image. Et là, je me suis dit, si je pouvais montrer ça à mes profs d'histoire du collège, ce serait incroyable. Mais par contre, là, vraiment, je comprends pas. J'ai l'impression d'avoir grandi dans... Enfin, c'est ce que je me suis dit. Hein. J'ai réalisé que j'avais grandi dans une bulle où les maths, c'était normal. Enfin, c'était trop bien, c'était normal. Et aujourd'hui, je réalise qu'en fait, c'est bizarre. Alors, je veux même pas rentrer dans fille, garçon ou quoi, mais que même juste aimer les maths, apparemment, c'est bizarre. Et c'est ça que vraiment j'ai du mal. Et en plus, on est en France, veut dire, on a eu plein de mathématiciens très connus. Et moi, donc, j'ai fait une enquête. J'ai réalisé ce qu'on me demandait. Donc, il y a plusieurs profils, hein, de gens. Il y a les élèves. Donc, moi, je vois souvent des primaires, des collèges. Eux, souvent, j'aime pas les maths. Moi, alors, tout le monde me dit que c'est pas possible et que sûrement j'ai dû faire abstraction. Mais je suis sûre qu'au lycée, tous mes camarades aimaient les maths. Hein. J'ai pas de... Je me souviens, des gens qui étaient pas bons, mais enfin, c'est pas grave. Hein, je veux dire, moi, j'étais pas bonne. Mais il y avait pas un rejet, voilà, comme tu peux ressentir après. Mais c'est ça, il y avait pas un dégoût comme si... Oui, c'est ça, un dégoût. Et alors que là, il y a... Après, il y en a qui disent... les profs de maths qui je parle et qui me disent « Ah, c'est parce qu'il y a trop de par cœur. » Moi, j'ai toujours appris justement que... Enfin, c'était OK si j'ai des mauvaises entendues histoire parce que j'ai pas appris par cœur. Mais c'est pas grave parce que j'ai une bonne mémoire, c'est juste que j'ai pas fait l'effort. C'est ce qu'il y avait écrit dans mon... Mais en maths, j'ai jamais rien appris par cœur. Oui. Donc j'ai jamais, donc je comprends pas. Donc je me dis j'ai dû rater quelque chose. Après, il y a dans les gens des adultes lambda, enfin qui me demandent des fois qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ça encore aujourd'hui, je sais pas quoi. Enfin si maintenant je sais, je leur dis oui, je détecte ou je crée des fausses images. Donc, mais ça, du coup, les gens, ils aiment pas, donc c'est pas une bonne idée. C'est pas très populaire. Donc, j'ai essayé traitement d'image. Ça veut rien dire. Traitement du signal, bon, tu fais de l'électricité. Non. J'ai essayé maths. Et ça, plus jamais. J'ai dit une fois... Non, mais j'ai dit, je fais des maths et je fais de la recherche en maths. On m'a dit, t'es prof de maths. Je fais de la recherche en maths. Et là, bon, la personne ne saura pas, peut-être elle n'écoutera pas ton podcast, mais j'ai vu, quand une fois j'ai dit ça à quelqu'un, et là j'ai vu dans ses yeux qu'il s'est demandé si j'étais en train de chercher des nouveaux chiffres, tu vois, des nouveaux nombres, des décimales de pi peut-être, enfin je sais pas. Même par exemple. Donc j'ai commencé à dire mathématiques appliquées. Ça, j'ai vu que c'était pas. Ça, c'est pas, apparemment, c'est pas. Les gens ne savent pas trop ce que c'est. Donc maintenant, je dis maths info. Mais ça aussi, les gens, je comprends pas. Et donc, je me dis, pourquoi les maths ont cette image-là, si une mauvaise image, quoi. Et c'est même pareil, même dans le contexte industriel, parce qu'on est amené à faire pas mal de... Enfin, moi, j'échange souvent avec des chefs d'entreprise sur des projets, même ils veulent des idées, on échange, on discute et tout. Et ils veulent mettre de l'intelligence artificielle. Parce que, alors oui, je pourrais me qualifier comme... je fais de la recherche en intelligence artificielle, mais moi, j'aime pas trop ce terme. Je suis même en train en ce moment de créer des cours pour expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle, mais le terme il est très bien, mais c'est ce que les gens pensent n'est pas correct. Et du coup, je continue quand même à dire des maths, mais même les gens qui font, genre par exemple entreprise qui vient de sortir, qui travaille sur l'IA, parce que je sais pas, ils ont des gens qui savent parler à ChatGPT par exemple. Et ben si on leur dit ça c'est des maths ou des choses comme ça, non, nous on veut faire de l'IA. Mais oui, on peut faire des maths, quoi. Maths info. Elle fait
Non, non, il faut que ça soit vraiment de l'IA, et ça, mais donc vraiment tout public. Et donc ma carte blanche, c'est vraiment, j'ai une grande question, c'est pourquoi est-ce que les maths, c'est synonyme de quelque chose de négatif? Et pire que ça, pourquoi donc c'est négatif, et quand on pense que c'est positif, c'est, oui, parce que c'est élitiste, non, il n'y a pas un truc comme ça, c'est pour sélectionner, voilà. Et moi, clairement, s'il n'y avait pas les maths, j'aurais sélectionné non rien. Donc, tu vois, ça m'a pas permis de sélectionner. Mais par contre, c'est sélectionné et du coup, c'est optionnel. Pourtant, moi, je parle français. Bon, j'aurais pu te parler en anglais, mais ça fait déjà deux matières. On aurait pu échanger. Ouais. Mais les maths, ça me permet de parler. Alors, moi, je parle très numérique, donc je suis totalement à la science du numérique. Donc, je parle à mon téléphone, je parle à mon ordi. Enfin, tout ça, c'est des maths. Je veux comprendre comment marche. Enfin, comment. Les arbres, la nature, etc., la physique, enfin tout c'est avec le langage des maths. Donc voilà. Donc c'est ma grande question. Donc ta carte blanche, c'est ton interrogation sur l'image des maths. Énorme interrogation sur. Mais écoute, le fait déjà que tu sois en contact avec un jeune public, le fait qu'on fasse des événements comme ça, le podcast, tout ce genre de choses, ça peut aider peut-être à changer les maths, l'image des maths, on va dire. Donc. J'espère. on va finir là-dessus. Bah, merci beaucoup Tina, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Mais Véronica, je te rends la parole. Ah oui, pardon. Donc maintenant, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main. Oui. Je pense que je vais laisser les micros à Tina pour répondre. Oui, alors juste, il faut que la question soit dans le micro pour le podcast. Mais moi, je parle fort peut-être. Non, non, non. Après, il faut que tu attendes le micro. Ouais. Oui, merci. Je ne sais pas si ça marche. Si ça marche. Oui, merci pour cette interview fort bien menée et à laquelle vous avez répondu de façon passionnante. Inutile de souligner l'importance et l'utilité du domaine que vous avez choisi pour appliquer vos connaissances. Néanmoins, je vous pose la question, n'avez-vous pas à un moment pensé au traitement d'images en astronomie, en astrophysique? Car je crois que c'est un domaine passionnant également où les mathématiques jouent un grand rôle. Merci. Oui, j'y ai pensé. J'y ai pensé parce que forcément, moi j'ai du coup les amis de mon père qui m'ont dit, par exemple, qui travaillent au CEA, qui m'ont dit, mais tu veux pas venir faire du traitement d'image aussi chez nous, etc. Oui. Alors aujourd'hui, je fais du traitement d'image pour les images satellites. Bon, c'est pas la même chose, mais je fais déjà pour les images satellites. Mais là, quand j'ai fait les images réseaux sociaux et je me suis rapprochée des journalistes et de l'AFP, c'est vraiment où j'ai trouvé ma place. À moi, par rapport à mes collègues, je pense être beaucoup plus connectée qu'eux. Et c'est vrai que c'était plus facile. Enfin, je ne suis pas non plus une accro des réseaux sociaux ou quoi, hein, mais par exemple, la photographie, j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes passions à côté du travail. Donc là, vraiment, c'est moi qui ai insisté pour travailler sur les images numériques classiques et les réseaux sociaux, etc. Mais aujourd'hui, j'encadre un doctorant qui travaille sur les images satellites. Les anomalies dans les images satellites et les images de télescopes, etc. Bah, ça, par contre, c'est comme les images médicales, j'ai fait, mais il y a moins de variété, il y a moins le côté esthétique aussi. Enfin, moi, j'aime bien. Moi, par exemple, bah, je travaille souvent sur les photos que je prends moi-même, comme cas d'exemple. Et là, c'est plus compliqué, à part si, par exemple, je vais dans une IRM ou. Je vais utiliser un télescope moi-même, voilà. Mais effectivement, c'est le même domaine et c'est passionnant. Dans le cas d'une image générée par un réseau de neurones, un GAN, est-ce que ça, c'est le prototype de l'image falsifiée ou une image artificielle peut être, si elle n'a pas été modifiée, photoshopée, peut passer pour être correcte si on laisse tourner le GAN assez longtemps. Merci. Les détecter les anomalies locales. Là, ça marche pour effectivement ce qu'on Photoshop, mais ça peut également marcher avec que ce soit GAN ou les méthodes de diffusion, parce qu'on peut écrire dans le prompt, sélectionner une zone de l'image et écrire, rajoute un chat blanc dans cette zone de l'image. Si c'est local,
Là, par exemple, la méthode avec les traces de pliure ou tout autre pourrait fonctionner parce qu'on verrait que toute l'image a un historique et localement, il y a une partie qui a un autre historique. Si l'image complètement est générée par exemple par GAN ou par diffusion, alors par GAN, on l'a déjà observé, c'est comme avoir rajouté une étape supplémentaire dans la chaîne. En fait, elle est tellement grosse que celle d'avant, qu'elle soit là ou pas, on ne les voit pas. Et en fait, on observe, donc par exemple pour les GAN, on observe, en fonction de quelle GAN, parce qu'il y a plusieurs méthodes de GAN, on observe des traces, comme les traces du coup, de pliure, mais bon, ce n'est pas des traces de pliure. Je n'ai pas d'analogie encore qui pourrait fonctionner, mais du coup, on peut détecter ces traces-là et donc dire que ça a été généré par telle GAN en particulier. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on est censé connaître donc, tous les types de générateurs de GAN. Et il y a des méthodes réseau de neurones qui fonctionnent qui, comme ça, qui, dès qu'il y a une nouvelle méthode qui sort, apprend et donc fait, détecte comme ça. Pour dire les méthodes de diffusion, c'est pareil, mais on a observé, c'est tout récent, on a observé la semaine dernière, qu'il y aurait des traces, en fait, il y aurait des traces donc, périodiques, un peu comme les traces de pliure dans les, méthodes, dans les images générées par méthode de diffusion, qui, bah, pour l'instant, sont un peu compliquées à analyser. On ne sait pas pourquoi elles sont là. On ne sait pas si parce que justement les méthodes ont trop appris des images classiques et donc ressortent des traces de compression, mais mal, parce qu'ils les ressortent mal, ou si c'est vraiment le réseau lui-même, comme il sous-échantillonne et ragrandit l'image plusieurs fois, si c'est lui qui introduit cette périodicité-là. Donc toutes ces, en fait, toutes les traces qu'on ne voit pas dans l'image, mais que maintenant moi je vois que je cherche, et bah, elles sont passionnantes et elles racontent l'histoire en fait, d'une image, quoi. Bonjour, merci pour cet entretien. Alors toujours un peu sur la même question, si jamais on dispose de votre algo qui permet de détecter les falsifications et la génération de fausses images, est-ce qu'on peut construire un GAN qui produira des images que vous ne pourrez pas détecter? Et si tel est le cas, est-ce que ça rend compliqué pour vous de publier vos algos de détection? Merci. Oui, on m'a souvent demandé si du coup c'était pas dangereux de mettre à disposition ces outils-là, parce que imaginez, vous voulez falsifier une image, vous allez mettre l'image et après vous allez passer les tests et vérifier que c'est bon. Sauf qu'en fait, il est pas possible de passer tous les tests. Si par exemple vous arrivez à coïncider les traces de pliure, parce que vous avez tout compris à ma présentation, et ben il y a une autre trace que vous n'allez pas réussir à coïncider. Jusqu'à ce que peut-être, enfin, l'image n'ait pas de sens, hein, vous allez peut-être coller quelque chose qui géométriquement ne devrait pas être là ou les couleurs ne coïncident pas, etc. Donc ça, c'est peu probable. Par contre, dans les images générées par GAN, où du coup tout est généré artificiellement, et là, c'est vraiment globalement, on pourrait faire quelque chose, oui, c'est plus facile. En fait, même sur une image traditionnelle, on pourrait essayer d'effacer les traces qu'on détecte et essayer de remettre des vraies traces. On a essayé de faire ça, hein, on a fait ça. Théoriquement, c'est possible. Alors, avec les traces de pliure, pas trop, parce que ça dégrade trop l'image, donc la compression. Mais pour les images GAN ou diffusion, théoriquement, c'est possible d'effacer les traces existantes, si on arrive à voir lesquelles c'est exactement, et de réappliquer des traces traditionnelles de, je sais pas, d'un appareil Nikon, tel modèle, tel objectif bien particulier. Bon, si on arrive déjà à faire ça, c'est pas mal. Après, c'est possible que quelqu'un, effectivement, sorte un algorithme. Il suffit juste pour n'importe qui d'appuyer sur un bouton et de nettoyer son image, de réappliquer des traces traditionnelles. Et oui, ça, c'est possible. Donc, la solution que je pense que tout le monde est d'accord avec dans mon domaine, c'est que les images, il ne faut pas y croire. Enfin, c'est... Les vidéos non plus. Enfin, je veux dire, les textes, on est d'accord, quand vous voyez un message sur un réseau social, vous n'allez pas y croire. Là, même moi, si je vous dis quelque chose, j'espère que vous n'allez pas y croire. Je vous dis, il fait super beau dehors, vous allez tous regarder au moins avant de me croire. Bah, avec les images et les vidéos, il faut se dire c'est pareil, hein, ça devient des dessins si on veut. Mais si on veut pouvoir avoir une image vraie, il faudrait, et la technologie existe, hein, ça s'appelle faire du tatouage numérique, ou du watermarking, ou même de signer le fichier en soi. Et ben, ça serait de... En fait, c'est comme mettre des traces, mais de les mettre en amont, par la caméra ou par l'humain qui est sur Photoshop. Soit à chaque fois qu'il y a une opération qui est effectuée, ça rajoute dans les données, il y a eu ça, ça, ça. Ou au moins, ça dit, ça a été prêt avec tel appareil, tel moment, peut-être, je sais pas, on peut mettre toutes les infos qu'on veut, mais ça permettrait de certifier l'image. Et ça, technologiquement, on sait le faire.
Il y a même des appareils photo qu'ils font, mais il faudrait légiférer, quoi. Il faudrait dire il faut faire ça partout. Si l'image a une signature qui l'authentifie, alors, je sais pas, les plateformes de réseaux sociaux automatiquement vont mettre un petit une flèche verte. Voilà. Ça, ce n'est que mon idée. Je sais pas. Faudrait faire ça. Mais oui, c'est clairement détecter des falsifications, c'est intéressant pédagogiquement pour les enfants. Moi, j'adore. Je trouve ça un moyen hyper facile d'expliquer les maths. Et oui. Les algos sont utiles dans certains cas, hein, bien sûr, je dis pas ça, mais l'utilité vraiment pour résoudre le problème, il y a un moyen. Mais moi, je suis pas avocat, ministre ou quoi que ce soit. Donc, s'il n'y a pas dernière question. Oui, pour qualifier votre métier, je dirais ingénierie, tout bêtement. Mmh. Ça, être une grande ingénieure en image, je pense que on peut s'identifier en tout cas. Ma question va être très provocatrice, d'ordre déontologique. Pensez-vous que Yves Meyer travaillerait avec la police chinoise ? Je connais Yves Meyer. JPEG. De 2000. Alors, Yves Meyer, il fait les ondelettes. Il fait JPEG 2000. Je le connais même personnellement parce qu'il était au centre Borély à Cachan. À part lui faire coucou et aller m'installer dans son bureau quand il n'était pas là, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Je ne sais pas. Merci beaucoup, Tina, et merci, Nathalie. Merci. Donc, and now I leave the stage to Pascal Massara, the director of Fondation Mathématique Jacques Adamart. Donc, on m'a demandé de parler en anglais, mais je le sens mieux en français. Mettre les nuances, c'est quand même plus facile en français qu'en anglais. Même si parler de maths, je fais ça toute ma vie en anglais, mais mettre des nuances, c'est plus facile en français. Donc, merci tout d'abord aux intervenantes. Merci à l'IHES d'avoir rendu cet événement possible. Et donc, les intervenantes plus l'IHES, vous confirmez le postulat que toutes les fois où je mets les pieds ici, j'apprends quelque chose. Donc ça, c'est très bien. La FMJH est tout à fait ravie de se joindre à cet événement. Et les préoccupations communes de l'IHES et de la FMJH à propos de la disparité qu'on constate tous entre les hommes et les femmes au niveau des sciences en général et des mathématiques en particulier. Donc c'est une préoccupation qu'on a en commun avec l'IHES. L'IHES a pris le taureau par les cornes. Il a pris un multiplicateur égal à plus l'infini pour passer son nombre de professeurs permanents de 0 à pas 0. Bon, la FMJH fait de son mieux, elle aussi, pour se préoccuper de ce problème-là et du problème de la diversité en général. Donc on a un programme qui s'appelle FMJH Care et qui se préoccupe de mettre plus de diversité dans la population étudiante et dans la population des jeunes chercheurs et donc des jeunes chercheuses. Donc c'est un peu comme ça que nous on voit les choses. On a essayé à notre échelle de prendre des initiatives modestes mais signifiantes pour faire changer les choses. On a constaté que comme dans les entreprises, le plafond de verre joue, c'est-à-dire qu'à mesure que le niveau d'études augmente, on perd de plus en plus de jeunes femmes. Et donc, on a créé un prix junior Mariam Mirzekhani qui s'adresse aux jeunes femmes de fin d'année de licence, fin de licence et début de master, à un moment où il y a encore des jeunes femmes qui font des mathématiques. Donc, ça, c'est une de nos initiatives. On a aussi introduit du mentorat au niveau de la licence pour justement essayer de convaincre les jeunes femmes qu'il y avait un avenir pour elles dans les mathématiques et dans la recherche en mathématiques. Donc tu as été l'avocate parfaite pour expliquer toute la diversité qu'il peut y avoir dans les sujets à aborder au travers des mathématiques. Et je voudrais juste dire que les raisons pour lesquelles on peut avoir envie d'un monde qui est plus divers et plus ouvert peuvent être philosophiques. On peut se dire que
un monde plus ouvert, plus divers, c'est un monde qui est plus fraternel. Et après tout, pourquoi ne pas se rallier à cette idée-là? Mais c'est aussi pour une raison pragmatique, c'est-à-dire qu'on constate que plus de diversité, c'est aussi plus de créativité, et que la mathématique elle-même va bénéficier de cette plus grande diversité. Donc, encore une fois, merci à l'IHES d'avoir rendu cet événement possible, et je souhaite qu'on continue dans la même direction, à essayer de faire progresser cette noble cause. Voilà.